Eh bien bonjour à tous, Alex Benito, on se retrouve aujourd'hui dans un petit jeu qui est Stadium Renovator, qui est un jeu où on va rénover les stades. Après m'avoir vu en tant que coach, je vais m'équiper du casque de chantier et on va travailler pour construire un nouveau stade ou en tout cas récupérer un stade à l'abandon, un stade pourri pour en faire un des plus beaux stades d'Europe. On est sur la démo puisque le jeu n'est pas encore sorti. Il fait partie de la lignée des jeux comme Gas Station Simulator, plein de jeux où il faut rénover soit des maisons, etc., etc. Et ils sortent aujourd'hui la rénovation de salle pour parler aux amateurs de football. Donc on va commencer une nouvelle partie et ça se fera un petit épisode de nouvelle mini-série qui vient un petit peu comme ça apporter un peu plus de contenu, un peu détendu. Et on va voir ce qu'on peut faire en termes de créativité, puisqu'on peut vraiment tout faire. On peut refaire les vestiaires, la pelouse, on peut tondre, on peut construire les gradins pour faire vraiment de très 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 belles choses. Donc ça va faire parler notre créativité et tout en restant dans le thème du foot. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Nouvelle partie. Dans Stadium Renovator, vous allez rénover des terrains de football et des stades. Dans ce tutoriel, vous apprendrez les mécanismes de base comme l'utilisation de la souris, l'achat des meubles à la boutique, etc. etc. Ok, on va se balader le stade en ville. En vrai, c'est hyper reposant à écouter ça. C'est hyper relaxant. Et du coup, on voit bien que c'est des petites tribunes. Hein. On est vraiment sur le petit stade municipal. Et l'objectif, c'est de travailler pour se faire un maximum d'argent et aller chercher les plus gros stades. Donc, je trouve vraiment ça assez énorme. On est sur le contrôle classique. Hein. On peut courir, on peut sauter. On va aller voir les objectifs. Et le premier truc que j'ai envie de faire, c'est de tester la machine, entrer dans le véhicule. Donc, on a... Je vais mettre ma cam comme ça, une gestion à la fois de la mécanique, de l'essence, et il faut gérer tout ça avec la tondeuse. Ok, donc je repasse la tondeuse ici en fait. C'est plutôt aplatissement, je remets de l'herbe en fait là où il n'y avait pas d'herbe. Tac. Ça, ça doit sûrement être une prochaine mission, en plus je me suis un peu loupé ici. On va aller voir un petit peu ce qu'il nous demande et on va faire le didacticiel dans l'ordre. Ok, il faut sélectionner les cisailles et tailler les plantes. J'en ai rien à foutre là. J'aurais pu les laisser, ça fait quand même joli. On a ensuite une autre quête, donc on va prendre la main. Ah, nettoyeur haute pression. Ah ouais, c'est sûr que c'est dégueulasse, c'est énorme. Vous imaginez pas à quel point c'est satisfaisant de voir ça, de faire ce genre de jeu. J'avais jamais fait auparavant. Je sais que, par exemple, Gas Station Simulation, tu récupères une station abandonnée, il faut la nettoyer, il faut la remettre en état de marche. Il y a beaucoup de jeux de rénovation de voitures aussi, où il faut rénover les bagnoles. Et... Ah, là, c'est pas la même chose, c'est que les sièges sont cassés. Alors, on est dans la boutique. Vous regardez, il y a tellement de choses. Arroseur automatique, les armoires, on peut acheter des ballons, des vestiaires, des bibliothèques. Il y a tellement de choses. Alors, dans le stade, j'ai les sièges, j'ai les rouleaux de gazon. Là, je sais pas trop ce que c'est. On peut mettre des mannequins, on peut mettre des mini-poteaux... Il y a tellement de choses. Il va y avoir des caméras. Ok. En fait, il faut d'abord les retirer. Il faut retirer les sièges cassés. Voilà, je vais retirer tous les sièges cassés. Hop, et là ça va me coûter un peu d'argent de racheter les sièges. Hop. Manque un. Ok. Jeter les ordures. Donc ok, il y a beaucoup d'ordures là.
On va enlever tous les cartons qui traînent, pour que ça soit clean. Bon, il y en a vraiment beaucoup. Je sais pas si je peux emporter. Je peux emporter que 10 sur moi. On va devoir faire plusieurs allers-retours. Et ensuite, on va le balancer au container. On va nettoyer le graffiti, là, tant qu'on y est. N'est pas faire des tags dans mon stade, bordel de merde. Alors passer quand même de... Ah, ça on peut l'enlever. Il reste plein d'autres ordures. Passer de coach de renom balayeur de stade, c'est pas la même. Hein. On est bien d'accord. Enlever les planches. Maintenant, on va enlever les planches qui sont là. Avec le marteau. Ok. Comme ça, on va pouvoir accéder à notre nouveau stade. Hein. Ça c'est fait et maintenant je suppose faut les enlever. Et on va les jeter tout ça. Les planches à la poubelle. Là. Nettoyer la saleté, ok, donc il restait des graffitis. Imaginez. Monsieur propre, monsieur propre, ta 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 ta. Il y en a une là. Putain, elle est énorme celle-là. Autant les sièges c'est facile à laver, autant les tags c'est un peu relou. Et donc il y a des saletés à l'intérieur. On rentre. On fait la visite. Futur clubhouse. Petit bureau. Ici, voilà, c'est un 3 pièces. Ici, peut-être future douche. Voilà, peut-être future vestiaire. Énorme. Ah merde, c'est dégueulasse. C'est moi qui ai fait ça? La salle de bassin. On va rentrer de ce côté aussi, pareil, petite pièce, petit bureau dégueulasse. Et les douches, enfin là c'est plutôt le vestiaire. Ouais, le vestiaire ici et les douches là-dedans. Dérouler le gazon, je l'avais un petit peu fait tout à l'heure. On va revenir à la tondeuse. Ça, c'est pas évident parce qu'il faut manœuvrer. Bien déroulé. Et là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi là.
On va y aller comme ça. C'est pas très maniable ce truc, vivement. Vous, il y a un volant. Oh là, je vais pas droit. Bon, c'est clairement la partie la plus longue et la plus complexe de replanter la pelouse. Mais en vrai, c'est tellement satisfaisant de reconstruire son stade comme ça. J'ai hâte de travailler dans des stades beaucoup plus grands parce qu'il y a tellement de choses à faire. Parce que là, c'est que poser la pelouse, mais il faudra aussi l'entretenir, la tondre. Peut-être qu'on pourra faire des motifs comme le jardinier de Leicester. Allez, on va terminer. Bon, il y a des petits trous, hein. Je suis apprenti, les gars. Le stagiaire, pour l'instant, c'est mon premier stade que je fais tout seul. Oh, ça a l'air pas mal. Ça a lancé un écran de chargement. Oh! Ça a tracé les lignes et tout. Comme quoi, c'est bien terminé. Et je remonte le poteau. Tac. C'est vraiment trop bien. Faut aller réparer les fusibles. Je pense que ça va mettre aussi l'éclairage du stade. On ouvre le boîtier. Ces deux fusibles sont grillés. Et donc, on va aller en acheter. Électronique. Fusible. Tac. Et tac. Ok, il y a des événements à gérer. Il y aura un entraînement pour les enfants. Préparer le stade pour l'équipe de jeunes qui veut faire une séance d'entraînement avant un match important. Ça va nous rapporter des sous. Allez. Entraînement enfant. Placer un petit but sur le terrain. Placer 6 balles. Ok. Donc on va préparer l'entraînement pour les gosses. C'est énorme. Les jeux de boost. On va leur mettre quelques ballons. On fera les ballons premier prix, hein, au pire, on s'en fout. Qualité, pièce à sortie, sécurité, mais c'est énorme. Mets les 6 ballons comme ça, et il y aura un exercice. C'est que... faudra les marquer en face. J'espère que je peux jouer, moi aussi. Avez terminé, vous êtes prêts à accueillir l'événement. Entraînement pour les enfants, plus 10 étoiles et plus 600 euros. Événement terminé, j'ai perdu 3 ballons. Ah les enculés, ils ont tiré au-dessus du stade. Couper les buissons, 0 sur 2, nouvelle tâche, remplacer les sièges, nettoyer la saleté, etc. etc. Ils m'ont perdu 3 ballons, les salauds. Par contre, faut pas me faire croire que les parents, ils ont tout pété comme ça, quoi. Avoir tes gosses, c'est quoi cette qualité? Tu t'assois dessus, à tout qui craque? Pas normal. Qualité 11. J'espère qu'on pourra accéder à des sièges de qualité avec le petit truc en mousse, les sièges chauffants. Alors, mon stade, moi, il va être énorme. Hein. Jeter les ordures, encore une fois. Bon, bah, vous m'avez pris pour le jardinier. Alors que j'embauche au moins quelqu'un pour le ménage. Il a de la gueule, hein, ce petit stade d'entraînement. Alors, moi, je me sens bien ici. Et je vais mettre ça ici pour pas qu'il y ait des tags. Voilà. Alors qu'en fait, j'ai pas de caméra, hein, c'est juste pour faire croire. L'événement est dispo. Tournoi communautaire. Là, c'est quatre drapeaux sur le terrain. On va les mettre aux angles. Hein. On va faire le tournoi si j'ai pas mon drapeau. Alors, on va bien le mettre. Voilà. Ça me coûte cher cette merde. Ça fait classe avec les drapeaux quand même.
La quête est terminée pour le tournoi communautaire avec les quatre drapeaux. On a pris 1000 euros. Et on s'est fait piquer un ballon et deux drapeaux. Ah, c'est quand même fou. Quand même fou la délinquance là. Les mecs, regardez-moi ça. Regardez la taille du tag. Je ne suis pas du tout respecté. Abandonné. Ben non, pas du tout. Il y a des tournois. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Sérieux? Tout est cassé, tout est sale. Non, mais il faut encore réparer les fusibles. On voit qu'il y a tellement de possibilités parce qu'il y a les événements. Match de petite ligue ou entraînement de petite ligue, selon ce que j'ai envie de faire. Après, tu as les sous-traitants, informations sur la pièce, gestion du stade, gestion du véhicule, stade et caméra. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte pour le futur de ce jeu. Et c'est vraiment, vraiment énorme. On n'est que sur une démo. Donc honnêtement, je ne sais pas si je pourrais vous faire plusieurs épisodes. Au final, ça tourne quand même un petit peu en rond. Même si dans l'idée j'ai vraiment envie que ça prenne forme. J'ai vraiment vraiment envie que ça prenne forme, par exemple ici, ce côté-là, on va faire le bureau, mon bureau. Du coup, j'ai préparé un entraînement junior numéro 2 avec des mannequins, avec des petits trucs, avec des ballons. Et les vestiaires prennent forme petit à petit. Je me demande ce qui est encore dans cette démo. En tout cas, ça en est terminé pour cette première vidéo. Peut-être que si ça vous plaît, on continuera sur ce jeu pour un deuxième épisode ou quand le jeu sortira, puisqu'on est sur la démo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser votre commentaire. Salut à tous!